Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous, vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou. Même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU, les autres États, ils quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole. Les autres États quittent la salle parce que vous êtes devenu un État paria. Et vous osez encore venir ici nous balancer vos salades pour dire que ce que vous faites est justifié. Comment vous pouvez justifier l'injustifiable? Comment vous pouvez justifier le génocide? Comment vous pouvez justifier les crimes de guerre? C'est inacceptable et inadmissible, Madame l'ambassadrice, de venir ici nous raconter ces salades. C'est inacceptable. Et par respect au peuple palestinien, je le réitère ici, tout mon soutien.